Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Déjà, je vous dis bienvenue à ce premier numéro de Jeunes de 143, votre émission avec Cynthia Khadija Omelema, que je suis, et sur votre chaîne YouTube Leadership Moment. Filles, mères et conflits familiaux et les thèmes que nous allons devoir développer pendant ce mois de juillet ainsi que le mois d'août. Et pour ça, je reçois pour vous aujourd'hui Grace Bichicha, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci. Très, très bien alors. Oui, très sentez-vous bien. À l'aise en tout cas sur ce plateau. Je suis à l'aise. Merci beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure que nous parlons de filles-mères et les conflits familiaux. Donc, nous savons que filles-mères, c'est un phénomène qui touche la RDC et puis le monde entier également. C'est une situation qui frappe vraiment le monde. Alors, mais au moins chaque femme ou chaque fille a son histoire. Et aujourd'hui, nous sommes venus écouter votre histoire. Venez nous raconter, comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que vous avez parvenu à attraper la grossesse à un si jeune âge et les difficultés que vous avez rencontrées. Déjà, comment est-ce que ça a commencé? Bon, j'avais mon petit ami. Ok. On s'est mis bien, il m'aimait bien aussi. Et il m'aimait beaucoup aussi, moi aussi je l'aimais bien. On était vraiment, vraiment bien. Et puis, il y avait un moment, j'étais enceinte, et il m'a dit de mettre au monde. Il voulait un enfant. Et après, bon, moi, j'allais avorter. J'avais refusé de mettre au monde, parce que là, j'avais encore 18 ans. J'étais en train d'étudier. J'étais dans la maison de mes parents. Et puis, quand il m'a dit de mettre au monde, j'étais obligée de mettre au monde parce que je savais que je serais à l'aise, parce qu'on s'est mis bien et je savais qu'il m'aimait beaucoup aussi. Vous étiez obligée ou est-ce que c'est l'idée première qui est venue? Oui, moi c'est aussi, lui je qui a demandé bien, l'enfant. Vu que je l'aimais beaucoup aussi. Tu as accepté de mettre au monde facilement. Oui, j'avais accepté parce que je savais que je serais toujours à l'aise. J'insiste comme ça parce qu'il y a beaucoup de filles qui pouvaient penser à l'avortement, hein, vous voyez. Alors, si, bon, moi aussi j'avais pensé à ça. Okay. Mais vu que lui m'avait obligé de mettre au monde, vu que je l'aimais aussi, et je savais que vu qu'il m'aime bien, on va bien continuer, tu vois. Et après, c'était pas le cas. Et puis après, quand j'ai mis au monde, on était bien, il prenait bien soin de l'enfant, on était bien, vu qu'il m'aimait déjà, moi aussi je l'aimais bien. Et puis après, quand l'enfant a grandi, donc dans de 6 à 7 mois, il prenait plus soin de l'enfant. Il commençait à me faire des aventures. Il me compliquait. Donc, et puis après, j'avais passé un moment vraiment, vraiment difficile. Tu vois, c'était vraiment difficile pour moi. Il venait plus à la maison. Il venait plus déposer l'argent de l'enfant. Voilà, et c'est l'homme qui a accepté l'enfant facilement. Mais est-ce que la famille a accepté? Parce que nous parlons aussi des filles mères et les conflits familiaux. Est-ce que la famille avait facilement accepté la nouvelle? Non, vous avez vécu? Non. En tout cas, ma famille et tout, ils n'étaient pas contents. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Puisqu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, j'étais obligée de quitter chez moi à la maison. Ok. J'étais obligée de quitter chez moi. J'étais partie vivre avec lui. Avec lui chez maison, lui. Oui, okay. À Bandal. Et puis, il y avait un moment, il me faisait de... Donc, il ne me mettait plus à l'aise, en fait. Il me faisait souffrir, je te dis, tu ne peux pas imaginer. Quoi exactement? Il était frappé? Donc, il faisait tout ce que... Donc, tu sais, il y a quelqu'un qui ne peut pas te dire, sors de chez moi, mais quand il te fait de... Il te fait vraiment des histoires pas bien, qui n'est pas normal. Ouais, tu vois, seulement comprendre que ça veut dire que tu pars ou je ne veux pas de toi, tu vois, du genre comme ça. Et après, j'étais obligée de quitter chez lui. J'étais partie vivre. C'est lui qui t'a fait sortir ou tu es sortie de toi-même? Non, moi-même. Ok. J'avais tu pouvais plus supporter. Non. J'ai vraiment beaucoup supporté tout ce qu'il me faisait, vu que je l'aimais toujours. Mm-hmm. Et puis, j'étais partie vivre avec ma copine. Ok. Donc, c'était vraiment un moment très difficile pour moi. Je te dis, si tu me vois, donc tu vas pleurer. Imagine-toi, pour manger... Pour moi, c'était difficile. Et pour les bébés? Pour le bébé, c'était difficile.
Donc, c'est ma copine qui faisait aussi des choses pour moi, qui m'a donné quand même de 100 francs pour nourrir l'enfant. C'était vraiment, vraiment difficile. Alors, il a fait ça parce qu'il n'avait plus de moyens ou... Enfin, au début, quand non, il venait là... Non, mais ce que moi, j'avais constaté, c'est quoi? Quand un homme est enceinte de lui, donc, après, c'est toujours des problèmes. Et surtout, si tu étais une petite fille, après, c'est toujours des problèmes. Mais tu t'es pas comportée comme une petite fille aussi à la maison? Non, mais parce que là, j'avais 18 ans. Ok. J'étais en train d'étudier. J'étais obligée de laisser mes études, tu vois? Oui. Donc, voilà quoi. Et après, tu n'as pas repris les études jusqu'à aujourd'hui? Bon, lui, il avait accepté parce qu'il avait parlé avec ma famille, tu vois? Mm. Il avait accepté que quand après avoir de mettre au monde, si l'enfant totalise peut-être 5 à 6 mois et puis je vais encore reprendre mes études. Et après, il avait changé, tout c'était difficile, je te dis. Donc, j'avais vraiment, vraiment souffert. Si tu me vois comme ça, tu vas pleurer. Mm. Ouais. Et puis ma mère m'a dit que non, tu es toujours ma fille, que je prends l'enfant. Et puis ma mère a pris l'enfant. Donc, maman a pris l'enfant et toi, tu es allée vivre avec ton ami. Si, moi, j'étais seulement chez mon ami. Et puis après, ma mère m'a dit de rentrer à la maison. Puis je suis rentrée à la maison. Et puis, une année passée, comme ça, des trucs comme ça, il commence à me chercher. Ah, l'homme, il revient encore te ouais, chercher. Ouais, il me cherche. Je te dis, mais non, là, jusqu'à aujourd'hui, il me suit comme un chien. Ah, donc tu, quand, après, une année après, revenons là, une année après, il commence à te suivre. Hein, ouais. Tu n'étais pas dans une relation. Non, attends. Après, une année après, j'avais une relation. Ok. Ouais. Et il le savait. Mais je lui avais dit, non? Ok. Toi, tu m'as fait souffrir et après, tu me cherches encore. Mm-hmm. Ça devient quoi? Je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, il me suit, je te dis, comme un chat. Alors, il te suit parce qu'il a besoin de toi ou il a besoin de l'enfant? Il me suit parce qu'il a besoin de nous deux. Même pour voir mon enfant. Donc, il continue à prendre le soin de l'enfant maintenant? Non, moi je ne lui parle pas. Il parle avec ma mère au téléphone. Pour voir l'enfant, il demande même à ma mère de voir l'enfant sur l'appel vidéo de WhatsApp. Ok. Et ma mère lui dit toujours, non, tu avais laissé grâce avec l'enfant et après, tu veux quoi? Et puis, il est encore retourné chez moi pour s'excuser. Non, toi, tu es toujours ma femme. Et puis, l'enfant, c'est toujours mon fils. Je dis pas question. Si je raisonne comment j'avais souffrir, je peux pas. Pour manger, pour moi, c'était difficile, je te dis. Oui. Bon, tu as arrêté les études. Si, à cause de lui. Oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour survivre? En fait, j'avais arrêté mes études à cause de lui. Mmh. Et puis, 3 ans passés, des histoires comme ça, j'avais connu une relation sérieuse. Avec... j'ai déjà Moi, tu étais les noms, ok. Non, je ne vais pas citer les noms, voilà. Mais j'ai déjà mon copain. Pour encore retourner d'étudier à mon âge, vraiment... Ah, tout est possible, hein? Non, moi... Bon, tu as arrêté les études à quel niveau, si tu peux me permettre? En G2 déjà. G2, wow. Oui. Ok. Moi, je présentais à 16 ans. Ok, 16 ans. Tôt, voilà. Oui. Et pour survivre, oui, tu as un petit ami maintenant. Si. Mais autre besoin, tu ne fais plus rien dans la vie? Je vends. Tu vends? Je vends, je fais de périques à vendre. Je vends de tissage, de cabelloa. Hein? Mm. Oui, je vends ça. J'ai mes clients, quand j'achète, il y a des clients qui passent des commandes pour que je fasse pour eux de périques et puis je fais ça. Tu fais ça? Oui. Et puis tu es en contact régulier avec ton enfant? Oui, tout le jour je parle avec mon fils. Par téléphone? Oui. Ok. Alors est-ce qu'il te manque pas un peu trop? Si, il me manque vraiment. C'est mon fils, c'est normal, il doit me manquer. Et tu penses pas, genre, aller le récupérer? Non, le récupérer, non. Mais je pars souvent lui voir. Lui voir. Tout le temps, je pars. Ok. Ouais. Voilà, c'est une situation déjà pas bien à vivre parce que vous avez beaucoup souffert. Non, je peux plus. Vaut mieux que je me marie et puis là... Je vais encore mettre au monde. Ok. Donc, vous avez pris des mesures avec ces nouveaux... Non, je ne vais pas. Déjà, pour sortir avec quelqu'un, je dois d'abord voir qu'est-ce que tu fais dans la vie, de qui tu es. Donc,
En fait, moi, pour aimer encore un garçon normalement comme ça, je ne saurais plus. Tu as une blessure intérieure. Non, je ne saurais plus. J'ai beaucoup vu des histoires. J'ai beaucoup souffert. Bon, alors, cette souffrance déjà n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller aux autres filles? Parce qu'il y a des filles qui peuvent, qui sont, elles cherchent comment vivre dans une relation avec, tu peux nous conseiller, dire, dans une relation, comment est-ce qu'elle peut vivre dans une relation pour éviter, ok, de contracter une grossesse avant le temps? Bon, moi je vais conseiller aux filles que, il faut pas accoucher avant le mariage. Bon, après le mariage, ce n'est. Ce que je remarque, presque tout le fait que moi je connais, quand le film est toujours au monde avec quelqu'un et après, ça ne marche à la pas. Fin, ça ne va plus marcher. Ça serait toujours des problèmes, toujours comme ça, ou non. Moi, les pères de mon fils, on n'est plus ensemble. Moi, les pères de mon fils, on n'est plus ensemble. Il est méchant, il est comme ça, il est patati. Alors, pour éviter, il faut d'abord que tu t'es marié, puis après, tu vas avoir des enfants. Vous avez suivi, et déjà, je vous invite à vous abonner sur Leadership Moment TV. Vous avez juste à aller là en série, abonnez-vous, vous cliquez là, et puis vous activez la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos vidéos, sur nos émissions, et pour ce que moi, je vais conseiller personnellement aux filles, les filles qui nous suivent en ce moment. Je vous conseille, comme Madame Grasse l'a dit, ne soyez pas pressés dans la vie. Quand vous êtes pressés, ça ne paye pas. Prenez le temps de réfléchir sur votre vie, sur votre vision, ce qui est sûr. Chacune d'entre vous a une vision. Chacune d'entre nous, j'aimerais même le dire comme ça, a une vision. Tu as quelque chose que tu projectes à faire dans la vie. Et regarde, si tu te lances dans une relation que tu te contrôles pas bien, alors tu ne pourras plus réaliser ce que tu avais à faire. Madame Grasse a dû arrêter ses études. Alors, pour éviter tout cela, je nous conseille, les filles, vivons dans la continence. Vis dans la continence, cherche avec qui t'engager. Et puis, comme Madame Grasse l'a dit, c'est mieux d'avoir un enfant après le mariage. Et puis, ainsi, tu pourras continuer ta vie. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission Jeune de sa 43. Et aujourd'hui, j'avais reçu pour vous Madame Grasse Bachicha, à qui j'ai dit merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et j'ai dit également merci à la maison de production Matouche Numérique. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous dis merci également, vous qui nous avez suivis en ce moment. C'était la Sainte Akadidja qui était à la présentation aujourd'hui. Et je vous retrouve très prochainement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne. Merci.